my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Eh bien salut tout le monde, c'est Euclidwood et aujourd'hui on se retrouve pour le début de ma nouvelle aventure solo sur Minecraft. Donc ça fait pas mal de temps que je disais que je voulais donc sortir une petite aventure Minecraft tout seul. Enfin, je le disais pas mais je le pensais en tout du moins. Et aujourd'hui on se retrouve donc sur Futurecraft. Parce que moi je vais écarter mon téléphone car il fait du bruit avec mon micro quand je reçois des ondes. Bref, vous avez dû entendre pas mal de sons mais bon. Donc voilà, donc le petit souci, donc je me suis fait un skin, comme vous savez je n'ai pas Minecraft payé. Pour la simple bonne raison que je n'en vois pas l'utilité, mis à part d'aller sur des serveurs payants, et moi personnellement, à part ce, des serveurs craqués, serveurs premium, ça ne m'intéresse pas tellement, donc je m'en fous. Mais voilà, donc aujourd'hui on se retrouve sur Futurecraft, si je me trompe pas, oui c'est Futurecraft, qui nous propose du free build, du PVP faction, du survival, il y a quoi d'autre, des jeux, et LED, d'accord. Donc très bien fait, je sais pas comment ils ont fait ça mais c'est sympa cette... En plus ça attire bien l'œil, on voit bien où sont les trucs. Là je sais que c'est là, je sais que c'est là. Bon là il pleut, c'est dommage, la présentation est un peu gâchée par cette pluie. D'ailleurs je vais aller dans un truc. Donc moi mon aventure ce sera évidemment une aventure sur sur un serveur. Donc n'importe, si je fais du survival, du PVP faction, bien sûr je vais rentrer dans un de ces mondes là. Et je vais essayer donc d'avancer dans ces modes de jeu. Donc moi je pense que je vais aller dans le PVP faction puisque j'en ai déjà fait et que c'est plutôt marrant. Le survival en plus on en a avec Leader Core, c'est déjà sur la chaîne, donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir Leader Core saison 2 qui n'est pas encore fini quand je vais poster cette vidéo. Donc voilà, donc je vais aller dans le PVP faction et je vous reprends tout de suite après, une fois que je suis rentré. A tout de suite. Et bien re tout le monde, donc on se retrouve pour la suite du PVP faction. Les grades sont disponibles sur www. D'accord, en fait faut payer pour augmenter ses grades. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Sur les under chests, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a quelque chose à étage? Plus d'aide. Slash aide, bon jeu. Slash warp. Salle d'enchant, ok. Et là, c'est quoi déjà? C'est slash warp head, ok. Ça, ça doit être une téléportation, bien sûr. Alors, faction. Donc, j'ai noté ça sur un bout de papier, histoire que je n'oublie pas. Donc, je vais prendre, hop, as. Ça va être parfait sur un morceau de papier, de dessin. Vous allez me voir, enfin, m'entendre écrire plutôt, parce que un critérium, ça fait énormément de bruit. Donc, slash crit. Plus le nom de la fac, donc plus nom hein, pour créer la fac. Donc là, dans la description slash f desk, ça je me souviens, c'est à peu près les mêmes commandes que sur le serveur où j'étais avant. Et pour aller au spawn, c'est slash f home, donc faut pas que j'oublie un espace. Alors pour inviter quelqu'un, faut faire slash F invite plus pseudo slash F invite, pardon excusez-moi de faire sans vidéo mais bon c'est un peu obligé, plus P pour pseudo hein, on va dire. Donc là c'est kit de départ slash kit PVP, faut que je tape aller au nether. Donc oui slash warp nether, ça c'est ok. Donc ça c'est pour définir les alliés, les neutres et les ennemis. Donc on va mettre slash F ally plus le nom de la flac, slash F neutral pour les neutres, ceux qui peuvent nous attaquer à tout moment, ou ceux qui sont qui peuvent être sympas, ou aucun des deux. Slash ennemi et slash claim avoir inter. Je vais comprendre ce que c'est. Slash claim, je me souviens d'avoir déjà utilisé ça, mais je me souviens plus ce que c'est. Donc slash F list, bien sûr, slash F list. D'ailleurs, on va tester ça tout de suite pour voir un peu les listes. Donc soit je vais en créer une, soit
Qui recrute? Voilà, déjà ça commence. Alors on a les pyro-barbares, les Black Dead, les... Oh, les fin... Il y a 24... 24 pages. Ah ouais, d'accord. Ça déconne pas. Slash F Live, ça c'est pour quitter, je parie. Pour passer à quelqu'un un admin, c'est slash F admin. Donc voilà, donc modo slash F modo. Non, mode, plus le pseudo. Et pour supprimer une faction, slash F disband, ce qui peut disband, pardon. Ce qui va vraiment très peu arriver. Donc, faction, relation, rejoindre. Et donc voilà. Donc on va faire slash kit PVP. Et voilà. Donc on a notre stuff de début. C'est toujours comme ça. Bon, maintenant on va trouver le spawn. Donc hop, on est des ouf. Hein. On met derrière Claremore. Donc on a quand même un stuff de base qui est plutôt sympa. Derrière, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Slash head, TeamSpeak. D'accord. En fait, on peut parler avec les gens sur TeamSpeak. C'est très intéressant. On a du pain, on a de la pioche. Maintenant, on va essayer de trouver le spawn. Si je trouve pas, je vais demander. Hein. Y a pas de souci. Ou alors je ferai une ellipse hein, jusqu'à que je trouve. Mais je pense que... Vous croyez qu'il faut directement aller au Nether? Ça serait con quand même. Bon, écoutez, je vais faire une petite ellipse et je vais bien voir. Hein. Bon, à tout de suite. Eh bien, je crois que quelqu'un nous a donné l'information, donc je lui ai dit merci, évidemment. Et donc, en fait, c'est tout con, on arrive dans le PVP, hop, ici, et en fait, faut descendre ici. Donc là, on va aller dans l'eau pour pas prendre des dégâts, et ça y est, on est en PVP. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc là, on est en PVP, ça veut dire que tout le monde peut se tuer, et que je peux tuer des gens. Évidemment, il y aura déjà des constructions plus près du spawn, c'est vraiment tout con, mais bon. Donc j'espère que cette petite série vous plaira et on se retrouve pour la suite des épisodes. Ciao tout le monde.